La Cour européenne des droits de l'homme condamne lourdement la Russie dans l'affaire Sergueï Magnitsky. La Cour de Strasbourg estime que le juriste a été victime de mauvais traitements, qu'il n'a pas bénéficié des soins médicaux adéquats, que l'enquête sur son décès est incomplète, que sa détention provisoire fut excessive et que sa condamnation posthume reflète la méconnaissance de la justice russe des principes du droit à un procès équitable. Sergueï Magnitsky avait été arrêté en 2008 après avoir accusé de corruption des fonctionnaires de police et du fisc. Le juriste est décédé dans une prison de Moscou après 358 jours de détention provisoire. La Russie est condamnée à verser 34 000 euros à l'épouse et à la mère de Sergueï Magnitsky.